ça va? Cool. T'es venu en fait alors? Ah ouais, je suis venu, j'ai un Urban Scud comme ça pour la soirée là. Oh putain, trop mortel, le son déjà qui tourne, je vois, il y a des meufs, ah, gémant, j'ai même eu machin à déjà pécho, trop bien. Ouais, mais je te dis, il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, ici, la règle numéro 1, c'est de te mettre à l'aise, tu vois. Ouais. Tu bois, tu manges, tu peux fumer, tu peux écraser ton spiff sur la putain de moquette, pisser partout, renverser la télé, tu vois ce que je veux dire? Profiter quoi, mais tu sais, là, tu me connais, moi, je suis pas tellement profiteur. Mais moi aussi, je suis pas un profiteur, mais je te dis, cette meuf, cherche même pas à savoir comment elle a gagné ses thunes, tu vois. Ok. Alors fais tourner le spiff et éclatons-nous quoi. Juste à titre d'info, j'abuse du micro, augmente ta putain de stéréo car les mots coulent à flot. Aujourd'hui mes victimes sont toutes celles qui friment, ça plaît sublime et qui bouffent chez Maxi. Y'a deux sortes de mecs, les mecs rocks de leur meuf qui acceptent tous les bluffs, au cul magnifique, tu perds tout ton fric. Puis y'a ceux qui s'en foutent, j'en fais partie aucun doute. J'accuse toutes les chiennes, même la tienne, de taxer mon chéquier, d'essayer de m'allumer. Je contrôle sans panique, une question de trip, une question de fric. Qu'en pense la plus logistique? Évidemment je suis unique. La caillasse à l'étra casse, mais mon dasse à la gasse. Elle borne n'importe quelle tasse de thé pour avoir la palace. À toutes ces sortes qui puent la cocotte et qui papote sans jugeote. Toutes ces chercheurs qui se défagotent pour avoir le cagnotte. Mon dasse se demande même parfois de qui elle se moque. Quand elles escroquent les sentiments de certains gars complètement corps comme elle a dit stop. Et donc tu m'en salir les meufs qui sont propres. Propre, mal propre, à toi de faire le bon choix. Je vais au boulot, donc je vais au studio. Ensuite je prends le métro et tous les numéros. Des meufs qui me disent c'est toi Moda, j'écoute sur ma radio. Certains veulent plaire et disent que je suis vulgaire. Tout ça parce que j'ai des meufs et qui ne peuvent rien y faire. D'ailleurs Sylvie, Barbara, Patricia et les autres me disent que des mecs qui ont des thunes sont forcément les leurs. Mais elles ne savent pas que je suis l'un des plus emmerdeurs. Dans le milieu du rap, ma place est celle du provocateur. Sache que mon fan club compte 100% d'imposteurs. Tu veux de l'argent, prends-moi et mes idées du cœur. Je suis désolé si ma vulgarité te fait peur. Dites aux meufs périmées qui friment dans les boîtes, se portent candidate à l'argent facile, que c'est inutile. Droit dans le mille, tel est le nom de mon style. En plus, Sarcelle est ma ville. La caillasse, elle les tracasse, mais mon dasse à la gasse. Elle boirait dans n'importe quelle tasse de thé pour avoir leur palace. À toutes ces sortes qui puent la cocotte et qui papotent sans jugeote. Toutes ces chochottes qui se défagotent pour avoir la cagnotte. Mon dasse se demande même parfois de qui elle se moque. Quand elles escroquent les sentiments de certains gars complètement croque, mon dasse dit stop. Elle veut aucunement salir les meufs qui sont propres. Le contexte est hardcore, mes textes sont encore classés au-dessus des plus forts. Mais gère et me perds parmi les meufs vulgaires, celles qui niquent pour mon fric et rêvent d'une bite en or. Mais d'abord, celles qui se sentent concernées ou sont intéressées n'ont plus qu'à localiser les emplacements de mon quartier. Mais ne faites pas semblant d'être celles qui se vexent chaque fois qu'elles m'entendent parler de fric et de sexe. La caillasse, elle les tracasse, et moi d'assa la gasse. Elle boirait de n'importe quelle tasse de thé pour avoir la palace. À toutes ces soeurs qui puent la cocotte et qui papotent sans jugeote. Toutes ces chochottes qui se défagotent pour avoir la cagnotte. Moda se demande même parfois de qui elle se moque. Quand elles escroquent les sentiments de certains gens.